Salut tout le monde, Mekronevox pour Enter the Gungeon. Un jeu où la mort est notre meilleur ami. Alors, on va essayer le condamné. Ou la condamnée plutôt, parce que c'est une dame. Allez, vas-y, montre-nous ce que tu peux faire. Jeune condamné. Bon. On se prépare, frappe le coup, tout va bien. Hallouette. Ouais, elle peut avoir un shotgun, ce qui est très bon. Ouh, de close combat. Oh. Il recharge extrêmement vite son fusil, je dois dire. Par contre, ça, c'est bon en tête. Ok, je calisse mon cadre de là. Shotgun power! Ok. Il y avait du monde en tabarouette dans celle-là. Ok. J'aurais pas méritable à être beaucoup quand tu tombes dans une pièce de même qui a aucune cachette, là. Hein? Ouh, manger de la merde. Direct dessus, sérieux? Ok, là. Saleté le mage! Hein? Ça va pas super bien. Même, ça va très mal. T'es rendu là, pourquoi pas? Hein? On se tape le boss. Oh non... Pas lui... Il est moins pire que les jumeaux, mais... Je suis jamais dans le coin, je suis jamais dans le coin, il faut pas que je reste dans le coin. Il y avait tellement de merde dans l'écran que je ne voyais plus rien. On va recommencer. Et toi, je t'aime pas. Retourne avec elle. Oui, oui, je me promène de gauche à droite. T'es qui, toi? Anyways. Alors, on retourne avec elle. Ça, le signe en haut, là, j'ai... Ben, plutôt en haut là-bas pour vous. Je sais pas trop c'est quoi. J'en ai vraiment aucune idée. Et on m'a pas demandé d'utiliser. Je peux pas rien acheter avec pour l'instant, ce que j'ai vu. Fait que, je sais pas. J'ai vraiment aucune idée. Peut-être c'est comme ça qu'il compte comment on avance dans le jeu. Je sais pas. Même je vous dirais que c'est peut-être un peu plus facile que c'était avant, peut-être que c'est ça qui... Plus qu'on en a, plus qu'on est fort, j'en ai vraiment aucune idée, il va falloir que je me renseigne là-dessus. Ou peut-être que je peux voir d'ici. Fait que je reviens dans un instant, je vais juste regarder dans mon inventaire, voir s'il me parle de ces mots de pièces-là qu'on ramasse contre un boss, je rien. Ok, je sais tout le temps pas, je sais toujours pas à quoi ça sert. J'ai vu par contre qu'il nous reste beaucoup de boss à voir, beaucoup d'ennemis à voir aussi. On est au tout début du jeu, direct dessus, bravo micro. Good. Allez, trouve mon chien, trouve des objets pour moi. Je sais pas s'il faut absolument que je me promène toute la pièce ou dès que je suis clean. Parce que le principe du chien, c'est ça. Dès que la pièce est clean, il va nous trouver des objets. Mais est-ce qu'il faut que je me promène dans la pièce ou automatiquement ça vient clean si un objet y va? Wow, hello my friend. J'espère que je suis pas bloqué. Non, je suis pas bloqué, c'est bon. Moi, je sais, j'aurais pu l'avoir sans Fight Tree, mais pourquoi pas ce même rôle? Pas moins drôle de même! On va retourner avec le pistolet, parce que je l'aime bien.
Boum. Boum. Faut que je reste. Pas juste actif, concentré sur les méchants, mais aussi sur leurs munitions. Je reste tellement concentré sur tirer ces méchants que j'oublie complètement de vérifier les bois. Les balles. Oh, ça c'est pas bon. Good. Ok. Calan, nous avons trouvé un demi-cœur. Merci, chien. Et voilà. Ah. Boum. Oh. Ah. Boum. 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 Ah ah. Who's the best now, biatch? Ok, le boss est ici. On va attendre un peu. On a une clé encore. On n'a pas rien trouvé de coffre. Je crois que ce que je vais faire, c'est que avant d'utiliser ma clé, je vais faire le tour. Oui, je sais, c'est la chose commune plus intelligente à faire, c'est ça. Mais j'y avais pas pensé avant maintenant. Fait que... on trouve des coffres, on fait le tour de la place qu'on a tout découvert, on ouvre les coffres qui nous intéressent. Trouver un objet, mon chien? Non? Ok. On va aller voir là, après ça, on va voir là. J'ai vu que le vendeur était là, ne vous inquiétez pas. Oh! Hein! 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 Merci, chien! Oh! Oh, j'étais pas sûr que je l'évitais, celle-là. Ça va bien. Good. C'est un objet? Non, bien sûr, évidemment. Ok, on a trouvé un coffre. Je le rouvre pas tout de suite, j'attends un peu. Où est-ce qu'on peut aller maintenant? On peut aller en bas là, en haut c'est pas mal tout clair. Fait qu'il nous reste trois options ici. Celle-là sûrement une pièce qui sont en commun, puis après ça va nous rester là. Fait qu'on va aller téléporter là. C'est tout? Ok. Je m'attendais à vraiment pire. À date, il y a l'air juste d'avoir un coffre à part si ça ramène une autre partie du donjon un peu plus grosse qui est finalement un coffre, mais je pense qu'il va juste en avoir un. C'est tout? J'aime l'arbalète. L'arbalète, elle va bien. Ok, bon là, il y a deux coffres. Bon, un ou l'autre, c'est deux petits, fait que fudget, hein. Vitesse, plus de vitesse. Je sais pas si c'est rechargé qu'il y a plus de vitesse, mais. Il me semble que j'avais vu. Ah, forgeron. Le vendeur. Je sais pas savoir pourquoi dans ma tête, c'est un forgeron. Bon, avec la chance, il vend peut-être une clé. Sale pute de merde. Pas de clé. Ok, fait qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. On va aller se battre contre le boss. Faites que ce soit le tweet, oui. Faites que ce soit le tweet, oui. Et ah non. Mais il est trop con ce boss. Il envoie tellement de cochonneries dans l'écran, c'est écœurant. Hein, hop! Je regarde le plus loin possible de moi. Ok, mais comme ça. Ok. Ah!
Et oui, comme d'habitude, il y a un boss, je parle plus beaucoup. Fuck. Ça va bien, ça va bien. Ah, come on, Derek. Réveille. Une balle de le finir. Une fucking balle de le finir. Espèce d'enfant de chumidu. Alors, ça va être tout pour cette vidéo-ci. Alors, c'est Micronevox qui vous dit on se revoit. À la prochaine game!